Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à Nantes. Nous sommes au cœur du centre universitaire, des facultés, de toutes les écoles. À 10 minutes à pied, vous allez pouvoir rejoindre chacune d'entre elles avec toutes les commodités aussi y attachées. Alors je vous fais rentrer pas forcément par le hall d'accueil, ici on est dans une résidence service. Si vous ne saviez pas où placer votre argent, où la banque aujourd'hui ne vous satisfait pas sur les rentabilités, eh bien ici vous êtes sur un investissement où vous n'aurez absolument rien à gérer. C'est entièrement géré par une société privée. C'est un campus universitaire, donc ici vous n'avez que des studios pour étudiants, 196 très exactement, à peine 200. On est sur un environnement très calme, c'est des petits oiseaux qui chantent, les commodités, j'en parlais à l'instant, et puis donc du parking qui va faire tout le tour de la résidence, donc ça c'est vraiment très intéressant. L'appartement qu'on va venir voir aujourd'hui, c'est un appartement seul, hein. Il n'a pas lui de place de parking, mais en revanche les locataires qui utiliseront l'endroit pourront eux se voir attribuer soit une place de parking extérieur, soit une place de parking intérieur. Alors ce qui est des plus sympas, je vous fais rentrer donc par cet endroit sur l'arrière, eh bien c'est que nous avons une conciergerie, hein, donc la société qui exploite. Ce sont des bâtiments qui sont très propres, on a femme de ménage, on a de l'entretien régulier qui se fait ici. Dans les petits points sympas, eh bien, sur notre droite, juste ici, un petit coin laverie que je vous montre de suite. Voilà, machine à laver, plus les espaces sèche-linge qui sont de ce côté-ci. Ça, c'est pour les petits services en extra. On va retrouver deux ascenseurs de ce côté-ci pour desservir les différents étages. Je vous fais passer par ce petit escalier, eh bien, juste pour aller découvrir, en plus de l'appartement, un espace des plus sympas. On a une petite salle de sport. Vous voyez qu'ici, on va arriver sur l'accueil à demi-niveau, c'est toujours très très propre. Et puis dans les petits plus qui vont avec l'appartement, avant que vous le découvriez, eh bien la salle de sport que vous avez de ce côté-ci. Voilà, on va grimper au troisième étage pour aller découvrir donc cet appartement de suite. Voilà, donc sortie de l'ascenseur, encore un grand espace, pardonnez-moi, de dégagement. On est un peu en lumière tamisée avec les restrictions que l'on connaît. Et voyez, à la sortie de l'ascenseur, eh bien, je vais pouvoir vous présenter directement derrière cette porte le dit appartement. Et voici donc la porte qui s'ouvre devant nous pour découvrir ce studio donc qui est entièrement meublé. On est sur une surface de 20 mètres carrés avec un petit hall d'entrée pour mettre les quelques affaires. Vous êtes sur une petite kitchenette entièrement équipée, hein, avec plaque de cuisson, réfrigérateur, tous les rangements. C'est vraiment idéal, hein, pour étudiants, on en parlait à l'extérieur. Ce petit meuble-là qui va permettre de prendre les repas. Et puis donc on est sur une pièce unique ici avec la possibilité donc d'avoir un petit coin. Donc là, vous avez un bureau, vous avez le lit qui va faire éventuellement canapé. On est sur un petit chauffage électrique. Ce qui est sympa, celui-ci, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est qu'il est exposé côté nord. Donc l'été, on va garder la fraîcheur et on va pouvoir vraiment profiter de l'intérieur. De toute façon, on n'a pas de balcon, donc l'importance du sud est tout à fait moindre ici et vraiment idéal pour étudiants avec encore un petit rangement de ce côté-là. Je vous présente très rapidement le petit coin salle d'eau et toilette. Vous distinguez le hall dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis donc, un petit espace salle d'eau, des plus simples, très fonctionnels, les toilettes, vasque avec miroir, on a un petit radiateur ici, une petite douche, des plus propres, voilà, idéal pour investissement, et eh bien ce studio proche de toutes les écoles. Voilà, et donc laissez-moi vous rappeler que c'est entièrement sécurisé, vous n'aurez pas de démarche particulière, le loyer vous est assuré tous les mois par l'organisme qui gère le campus, et vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et la chaîne YouTube MBC Imo. Je vous dis à très bientôt.